Merci les amis. Vous savez, j'ai appris quelque chose, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un succès. Jamais. Mais attendons la fin quand même. Ça ressemblait quand même à un succès, pas un triomphe. Hein. C'est sa manière, de vous dire qu'il vous entend pas assez. Là, vous êtes là ! Oui ! Non, par contre, là, c'était pas la question, c'était... Vous êtes là ! Oui ! Vous voyez, c'est mieux. Oui, mais je sais que vous savez faire quand vous voulez. Voilà, on gagne les foules. Il va falloir, hein. Parce que... Alors... Tout, hein. Là, on va pas au café aujourd'hui. Si, justement, on va y aller avec un ami. Alors, on peut le dire, en plus, c'est vraiment un ami. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il fait vraiment partie du grand, grand paysage de la chanson française. Il tourne encore beaucoup, malgré son âge avancé. Et c'est quelqu'un qui est... Attends, je suis dingue. C'est quoi ça? Monsieur Picot, c'est quoi cette intrusion? Oui, parce que je suis la répète, et t'es vers du monde. Écoutez, monsieur Sylvain Picot. Quoi? J'étais au sous-sol, là, tout à l'heure. C'était il y a 3 mois, ouais. Je suis à la bourre, en ce moment. Non, mais c'est pas ton soir, là. Non, mais c'est quoi? C'est le concert pour tous, c'est ça? C'est désagréable en plus. Ce que je te dis, quand même, c'est entre nous, excusez-nous deux secondes, on en a parlé. Moi, je jouais l'autre jour devant le café Saint-Donné, et j'étais un peu vexé d'être dehors, à chanter. Eh ben, écoutez. Tiens, mais non, mais vous faites un peu votre truc entre nous. Ouais, bah, bien sûr. Voilà, bien. Est-ce que vous voulez que M. Picot chante quelque chose? Oui! Allez, un petit peu. Pour lui, quand même. Vous laisse, M. Picot, hein? Non, ça va. Moi, je veux pas prendre de siège pour celle-là, alors. C'est pas prévu, je suis désolé. Non, c'est une bonne idée, ce concert pour tous, c'est ton bonne idée. Il y en a d'autres dans la salle qui savent chanter un peu? Non, parce que pour la première, autant prévoir. Ça va? Ah, mais ça va très bien. Le micro de qui, toi? Bah non, mais j'ai le micro de... Bah, il va prendre un micro, il y avait un micro par hasard qui traînait. Bon, je vous raconte une anecdote. Il y a 20 ans, j'étais au théâtre Saint-Denis. Il y a mon et monsieur Ledoux m'a demandé si je pouvais apporter un siège. Et... Je t'aime bien, mon petit, tu sais, je t'aime bien. Alors, donc, on allait aborder votre ami Pierre Perret. C'est ça. Hein, l'ami Pierrot. L'ami Pierrot. Exactement, l'ami Pierrot. Et on va nous emmener à son café du canard. Café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés, ici on peut apporter ses baisers. Moi mes baisers je les avais perdus, je croyais déjà avoir pu t'embrasser, mais je ne savais pas que tu étais venu et que ta bouche neuve en était tapissée. La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Sur mon berceau, les feux se penchaient pas beaucoup. Et chaque fois que je tombais dans un carré d'ortie, il y avait une guêpe qui me piquait dans le cou. Pourtant, ma chance, aujourd'hui, elle est là. Sous la tonnelle verte, t'étais si courbée. Tu m'as regardé pour la première fois. Ma vieille liberté s'est mise à tituber. On était seul au monde dans ce bal populaire. Et dans une seule main j'emprisonnais ta taille. Tu sens pousser les plis de ton corsage bleu. Ils ont bien failli gagner la bataille. Oh, j'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux. J'aime l'oiseau parce qu'il sait ton nom. J'aime ton rire et tous ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon veston. Et je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit, tes petits
cœur faisait des petits bons sardines. Quand j'ai posé ma tête contre lui, Dieu, tu remercies Dieu, ça c'est bien de toi. Mais mon amour pour toi est autrement plus fort. Est-ce que Dieu aurait pu dormir auprès de toi pendant toute une nuit sans toucher à ton corps? J'ai la jolie rosette au café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal. On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés, ici on peut t'apporter ce baiser. Et vous avez bien fait de venir finalement.